Bonjour à tous. Savez-vous que les équipes de dirigement multiservices accompagnent les collectivités et les entreprises dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du Bison Podcasté. C'est une prestation de plus en plus demandée par les agglomérations, mais aussi certaines entreprises. L'installation de points de recharge pour véhicules électriques devient un enjeu majeur. Alors que le marché de la voiture électrique a décollé en 2020, le nombre de bornes de recharge accessibles, que ce soit sur des sites privés ainsi que dans l'espace public, est un élément clé pour accompagner cette croissance. Face à cette situation, le pôle urbain de dirigement multiservices réaffirme son engagement dans l'accompagnement de projets ambitieux et responsables. Les équipes de Derichebourg Énergie EP se sont occupées de l'installation de plusieurs stations de recharge en Île-de-France, comme par exemple à Montrouge, où ce sont 32 véhicules électriques qui peuvent stationner et recharger leurs batteries en ville. Mais les villes ne sont pas les seules à être demandeurs. Les entreprises aussi souhaitent développer un réseau de bornes de recharge pour leurs collaborateurs ou leurs clients. C'est le cas de supermarchés franciliens, ou même de plusieurs sièges sociaux comme celui de Bouygues Télécom à Meudon, où Derichebourg Énergie a installé plusieurs bornes. Pour mener à bien les chantiers, les filiales de Derichebourg Multiservices se sont entourées de fabricants majeurs et de partenaires reconnus afin de garantir aux futurs usagers une prestation fiable, sécurisée et de qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute en ligne pour ne pas manquer les prochains sujets du Bison Podcasté. À très bientôt.